La transition, qu'est-ce que c'est? Beaucoup peuvent se demander. Moi, j'ai essayé de résumer, faire un tout petit résumé. Pour moi, la transition, c'est développer un esprit positif pour créer un maximum de résilience, unir nos forces, créer des choses nouvelles, pour pouvoir mieux résister à l'effondrement possible de notre système de société. C'est un changement de paradigme, c'est construire des bases pour un nouveau monde où l'humain sera au cœur. Nous avons un atelier cuisine végétarienne, parce qu'une fois qu'on a reçu des légumes de saison, faut apprendre à les cuisiner de façon un peu variée, sinon on se lasse, et c'est là qu'on a envie de fraises au mois de décembre. On a un atelier de fabrication de produits cosmétiques et d'entretien. Tout ça en partenariat avec le Centre social du Rondor. On a des actions de sensibilisation sur le tri des déchets. Apprendre à faire un compost, par exemple, avec les épluchures de nos légumes, pour entretenir nos jardins, nourrir la terre. Voilà, Marianne qui va vous présenter la MAP et Panier Bio SET. La MAP gérée par SET comporte actuellement 36 familles qui se partagent la récolte d'une association maraîchère, les Jardins de Thélème, situés à Mandres-les-Roses, donc juste à 10 km d'ici. Ce sont des légumes, bien sûr, certifiés bio. Le CA des Jardins de Thélème est composé en majeure partie, d'ailleurs, d'Amapiennes de Sucy. Actuellement, notre maraîchère, c'est Anan. Voilà, Anan Boussidi. Voilà. Qui nous fait de magnifiques légumes toutes les semaines. Apprendre à jardiner de façon biologique. On participe sous cette propre halle deux fois par an à Trocoplante. On a des actions pour promouvoir la mobilité propre et la qualité de l'air. Dans Sucy, on va essayer de mettre en place une charte de la qualité de l'air. On a un atelier de réparation et de promotion du vélo. Comment utiliser le vélo, pas juste le dimanche pour aller se promener, mais aussi pour aller jusqu'à son lieu de travail, pourquoi pas. C'est quand même la meilleure façon de faire des petites distances, jusqu'à 5 km, quelques kilomètres. La côte de Sucy, elle n'est pas facile, donc en fait, on essaie de promouvoir les vélos à assistance électrique. On a un partenariat pour avoir des réductions. On a un atelier marche et sentiers pour essayer de valoriser, de connaître et de favoriser l'usage des sentiers. On organise des soirées débats d'information sur divers sujets. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la transition extérieure, celle que l'on voit. Mais pour arriver à tout ça, il y a un gros travail de transition intérieure à faire sur soi. On a développé un atelier transition intérieure. On est assez content parce que là, cette année, on a même un jeune qui fait un master et qui est venu à notre atelier parce qu'il n'y en a pas d'autres en région Île-de-France pour faire son dossier sur la transition intérieure, la transition en général et du coup la transition intérieure. Et ça, c'est comment se changer pour changer le monde. C'est pas facile. Alors, on développe des techniques, on apprend à utiliser des techniques énergétiques, on étudie des textes inspirants, on fait de la méditation, on va bientôt faire de la communication bienveillante et du yoga du rire. Parce que tout ça, c'est pas triste, c'est Robin Kiss qui le dit, le pessimisme est un luxe que l'on ne peut plus se permettre. Alors, si vous avez des idées, eh bien, faites le premier pas, lancez-vous. Et quand chacun fait sa part, eh bien, on peut apprécier, comme aujourd'hui, un bel exemple de partenariat, de coopération qui va dans le bon sens.